Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire la petite préparation de ma toile pour le défi automne-Halloween des fadas du DP. Donc oui, c'est un défi organisé par Jackie de la chaîne Jackie Diamonds, par Nathalie de la chaîne Les Loisirs de Nanou, et par Isabelle de la chaîne Stitzaz et ses thérapies colorées. Donc elles ont créé un groupe, les Fadas du DP, et organisent là donc d'aujourd'hui, du 23 septembre au 30 novembre, un défi automne Halloween sur une toile, soit Diamond Art Club, soit Auraloa ou soit AliExpress. Mais AliExpress, attention, il faut que ça soit une image non licenciée. Voilà. Donc il faut faire très attention sur AliExpress, mais autrement tous les visuels sont du moment que c'est pas licencié, c'est OK. Que ça soit n'importe quelle taille, c'est OK. Pour que ça soit rond ou carré, peu importe. Mais le but, c'est de le faire ensemble. Donc voyons voir celle que j'ai choisie. J'espère que j'ai choisi la bonne. Donc j'ai choisi une Diamond Art Club et j'ai choisi celle-ci. Voilà. Donc c'est Cauldron of Mer de Ivy Dolamore du site Diamond Art Club. Elle fait 56 par 74, donc ça va du 23 septembre au 30 novembre. J'ai largement le temps de la faire, même si je commence le 1er novembre, j'aurai le temps de la faire. Sachant que je n'aurai pas que cette toile en défi, je fais aussi le défi Auraloa thème automne Halloween également. Donc je n'ai pas encore reçu ma toile. À l'heure où je vous tourne, je ne l'ai pas reçue, elle est en point relais. Mais à l'heure où vous verrez cette vidéo, j'irai la chercher. J'irai la chercher samedi matin, donc samedi 23. Au matin, j'irai chercher ma toile. Donc voilà, j'aurai deux défis en cours ce jour-là. Enfin, cette période-là, parce que du coup, la période du défi Auraloa, c'est du 15 septembre au 31 octobre. Donc je pense que je vais commencer celle-ci avec vous aujourd'hui. Enfin, commencer à bien la préparer parce qu'on n'est pas le 23. Je vais faire une case ou deux, mais je vais me concentrer surtout sur celle d'Auraloa qui se termine le délai avant, qui se termine le 31 octobre. Et celle-ci, bah, après, je pourrais la faire courir sur le mois de novembre, c'est pas grave. Donc, je vais replacer le film avec vous, donc j'espère que tout le monde va bien, comme ça va faire un petit blabla le temps que je prépare ma toile. Comme ça vous verrez comment je m'organise pour préparer ma toile. Bon, celle-ci, hein, selon mes habitudes, cette taille-là, je mets un mois à la faire. Donc comme je vous dis, même si je la touche pas du tout jusqu'à ce que je termine celle de Auraloa, je pourrais largement la faire au mois de novembre. Mais je vais faire un petit peu des deux, comme ça me changera. Je vais faire 3-4 cases. Peut-être que un week-end, le week-end je vais faire celle-ci et la semaine je ferai l'autre. Ou inversement, le week-end je ferai l'autre et la semaine je ferai celle-ci. Peu importe. Diamant carré. Celle-ci, je l'avais achetée sur Vinted. Voilà, à une de mes abonnées qui vend pas mal de Diamond Art Club. Voilà. Je vous remettrai le lien de son Vinted si vous voulez en barre de description. Voilà, donc j'ai déjà préparé les diamants. Je les ai installés dans mes tiroirs Ardot. Donc voilà, donc je vous montre les couleurs. Alors, je suis désolée, je suis en lumière artificielle parce qu'il flotte des cordes, il pleut des cordes. Et donc, voilà les couleurs. Donc la luminosité, elle n'est pas terrible. Elle a 50 couleurs
et elle a 4 AB. Voilà, 4 AB. Donc, je vous montre les AB. Donc, il y a un rose comme ceci. Donc, j'ai deux petits flacons. Il y en a pas mal. Voilà. Ensuite, j'ai un petit violet un peu plus clair. J'ai un vert foncé. Et j'ai deux petits flacons de blanc. Voilà. Donc, voilà comment je me suis organisée. J'ai utilisé les étiquettes fournies. Et puis, ben, je me suis rajouté des flacons supplémentaires. Parce que je voulais plus. Diamond Art Club, pour rappel, ce sont des gros sachets en ribambelle non refermables. Donc, je voulais plus avoir du tout de sachets. Sachant que dans ces contenants-là, ben, je n'ai pas de filet pour mettre mes restes de diamants, donc, comme les valisettes. Donc, je voulais tout mettre en flacon. Donc, ça utilise deux tiroirs. Et complet. Et vous voyez, il y a plusieurs types de... par exemple, le F, ben, il y en a 5, pardon. Le V, il y en a 4. Le point, il y en a 4, oui. Voilà. Il y en a le 1, il y en a 2. Le Y, il y en a 2. Le L, il y en a 2. Enfin, voilà. La flèche, il y en a 2. Voilà comment je me suis organisée. C'est plutôt dans ce sens-là. Il y a les lettres de l'alphabet d'abord. Ensuite, c'est les chiffres. Ensuite, il y a les symboles plus, moins, pourcentage, etc. Après, c'est les symboles. Et après, ce sont les flèches. Voilà comment je m'organise. Pour ce DP, j'ai déjà préparé tous mes petits accessoires. Je l'essaye d'assortir à la toile. Donc, le petit coverminder... Je vais prendre celui-ci, que c'est un petit cabochon que j'avais trouvé sur AliExpress, que je m'étais acheté, et que j'ai mis un aimant derrière. Voilà, donc c'est une petite sorcière. Alors, je ne suis pas trop fan des araignées, mais là, elle est drôle. Voilà. Donc, voilà, ça va être mon coverminder de la toile. Ensuite, j'ai choisi 100% 3D art et réel. Donc, le joli plateau comme ceci. Dans les teintes de violet, puisque c'est une toile dans les teintes de violet. J'ai choisi ma pince à embout céramique, c'est pareil, 3D Art RL. Donc c'est ma jolie pince, comme ceci, bien pailletée, bien violette. Et mon stylet favori du moment. Alors, il est violet foncé, mais là, vous le voyez plutôt noir. Là, voilà. C'est un stylet que j'avais eu dans la hotte de Noël. Chez Oralois, c'était l'année dernière, ils avaient fait une hotte de Noël et cette année ils l'ont pas fait. Et en washi tape, en fait, pour quadriller ma toile, j'hésite, j'ai sorti ces trois là. Voilà, donc je ne sais pas encore, je pense que je vais commencer avec celui-ci parce que ce sont des washi tape 2-3 mètres, donc je vais pas avoir assez pour quadriller toute ma toile, donc c'est pour ça que j'en ai sorti plusieurs. C'est un peu plus dans le thème, voilà, floral, étoile et ben, floral encore. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est tous dans les teintes de violet, donc je vais commencer par celui-ci et on va quadriller ensemble. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre hein, sur les fadas du DP. Je vous mettrai évidemment je mentionnerai le nom des trois copinettes qui l'ont créé. Je vous mettrai le lien du groupe Facebook. Et du coup, je n'hésitez pas à les voir, il y a plusieurs défis. Il y a aussi le défi Randall Spangler. Donc là, il faut une toile de Randall Spangler et vous pouvez participer avec elle. Elles font un défi Randall Spangler. Alors moi, j'en ai, mais j'ai déjà le défi celui-ci, le défi Oralois. Donc je ne vais pas pouvoir faire un troisième toile en même temps. Donc je me suis dit stop, déjà deux. J'aurais très bien pu, vu que là, les fadas du DP... on peut prendre une toile Oralois, donc j'aurais très bien pu prendre la même toile
que celle du défi aura loi, mais je voulais faire absolument celle-ci, hein, pour ceux qui ont vu le haul Vinted. J'ai craqué en fait, je me suis dit il faut trop que je la fasse cette année. Donc je me suis dit c'est mort, je la fais vu qu'ils acceptent les Diamond Art Club, je vais faire celle-ci. Et vu que l'autre c'est spécial Auralois, ben, j'ai craqué pour une nouvelle sortie de toile Auralois. Donc pour ceux qui ne savent pas comment je prépare une toile, je prends une spatule comme ceci. Ici, sachez que ici ça mesure 10 cm. Donc moi je fais des cases de 10 cm par 10 cm. Donc ce que je fais, c'est que je prends le rebord de la toile, voilà, et je mets mon washi au bord. Je vais vous zoomer comme ça. Vous aurez un petit rappel de comment je fais. Et je mince. Et je mets tout le long. Comme ça, c'est une pente de 10 cm. Alors, je vais essayer de recoller ça. Voilà. Et on suit le quadrillage pour faire pour coller droit. Voilà. Et ça, sur toute la largeur de la toile. Alors, je vais essayer de vous caler pour que vous puissiez tout voir. Comme ça, ça fait un petit blabla. Et comme ça, je parle de ce défi. Alors, vous pouvez nous rejoindre après cette date. Hein, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et pour faire la ligne d'en dessous, parce que je prépare deux lignes d'avance, je me remets du bout ici, bien droit. Et c'est pareil, je vais mettre mon washi au bout de ma spatule pour faire bien 10 cm. Là, voilà. Et je suis bien le quadrillage pour faire bien droit. Ça, il y a déjà un tuto là-dessus sur les playlists tuto. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les playlists. Voilà. Il est très joli ce washi. Je crois que c'était à Action que je l'avais eu, mais je ne sais plus. Très très joli. Hop, j'aime bien accorder mon washi tape à la toile, aux couleurs de la toile. Et dans l'autre sens, en fait, je me mets au bord de la toile bien droit et je fais la même chose dans l'autre sens, tout simplement. Alors voilà, bien aligné. Donc j'espère que vous allez bien, hein. Moi ça va super, je suis contente, je prépare. Je prépare ma toile. Et là, c'est pareil, je repars du bout et je continue avec mon scotch. Tac. Franchement, j'ai hâte de la commencer. Alors, moi, je vous tourne ça, on est dans la semaine. Je me suis dit, je ne vais pas commencer avant, hein. Et je vais au moins, vu que je vous ai pas fait la mise en boîte des diamants, je me suis dit je vais faire la préparation de la toile avec vous, comme ça, ça vous fait un petit blabla du samedi. Ça tombe pile poil le jour du démarrage de ce défi, donc eh ben, autant en parler. J'avais la possibilité de vous en parler, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, comme je vous l'ai dit. Ça va me gonfler, voilà. Voilà, et là je vais faire pareil pour les jusqu'au bout. Donc oui, j'aurais pu choisir la facilité, faire une seule toile pour les deux défis, mais finalement, trop envie de faire
c'est de toile. Donc finalement, je me suis dit, vu que là j'ai jusqu'à fin novembre pour la faire, j'ai largement le temps de faire les deux. Donc voilà, je vais faire les deux. Celle-ci, ça sera pas celle prioritaire, ça sera celle d'Oraloa, vu qu'elle finit le 31 octobre, comme je disais. Donc j'aurai largement le temps de faire les deux. Voilà. Et je vais essayer de faire une troisième ligne. Alors, je vous conseille de ne pas faire trop de lignes, parce que moi, en fait, vu que ça tombe sur mes genoux, quand vous installez le washi tape trop en avance, et ben ça a tendance à frotter avec les genoux ou les bras. Et du coup, ça a tendance à se décoller. J'avais le hockey. Ça a tendance à se décoller, donc n'hésitez pas à faire que deux voire trois lignes de préparation. Sinon, ça sert à rien, vous gâchez du washi pour rien. Alors là, vous voyez, je suis déjà arrivée au bout. Donc, c'est pas grave, je vais préparer que deux lignes avec vous. Je vais essayer de redécoller pour bien remettre bien. Voilà. Parce que le washi avait tendance à tirer le film. Ça faisait des crevasses. Voilà, bah après ça va être un petit blabla. Hein. Ça dure pas trop longtemps, mais c'est pour faire le petit lancement de la toile Halloween, défi automne Halloween du groupe Les Fadas du DP. Donc je suis prête. Voilà, je la commencerai sûrement dans la semaine qui suit. Voilà, je commencerai plutôt ce week-end ma toile Oraloa. Donc ça c'est pareil, vous verrez une vidéo de préparation et et mon avancée, etc. Et j'essaierai de vous faire des petites vidéos sur mes avancées régulièrement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petite préparation de toile avec moi. Je vais essayer de vous mettre, sans tout renverser, les couleurs. Hop, hop. Voilà, avec mon petit aimant que je vais placer directement sur la toile. J'essaye de vous faire ça bien, hein, vous voyez. Hein. Voilà. Je vous approche. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre l'évolution de cette toile et des prochaines et pour voir des produits terminés. Voilà, sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. La chaîne grandit de jour en jour et je vous en remercie. Et merci à ceux qui restent abonnés. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.